Ok, salut à tous et à toutes. Donc, on se retrouve pour un nouveau glitch sur la map Oregon. Donc, c'est un petit glitch de drone. Alors, pourquoi je dis petit? Parce que, en fait, vous allez simplement pour avoir une seule salle et vous ne pourrez pas ni récupérer votre drone ni explorer plus la map. C'est simplement à un seul endroit qui a ça. J'ai essayé, on peut pas aller plus loin et ça marche pas. Donc, voilà. Donc, en fait. Lorsque le site bombe est en bas, il y a des fois des personnes de votre équipe qui vont rusher ici. Souvent, vous allez tenter d'essayer à la trappe. Mais c'est vrai que si vous passez là et que si les ennemis ne défendent pas trop, vous pouvez faire un massacre. Mais en général, ici, là, ils posent un Mira et vous êtes souvent un petit peu baisé. Mais déjà, vous faites souvent avoir pour rentrer déjà dans cette salle. Parce que des fois ici, soit c'est renforcé, soit ils ont fait des trous pour vos spawn kills. Mais moi, ça m'arrive assez souvent qu'il y a un ennemi qui attende ici, derrière ce truc. Un Kavera ou Ela, machin. Elle attend, vous prenez votre mine, hop, il vient, il vous rush, il vous tue. Et ça, c'est assez pénible. Du coup, j'ai trouvé un petit drone pour que vous puissiez le placer, enfin, voir toute cette salle entière et un petit bout du couloir. Plus si ils ouvrent le mur ici, mais ça arrive rarement. Déjà, vous verrez cette salle et vous pourrez dire à votre pote qui rush là, vas-y, c'est bon, il n'y a personne, ou non, il y a quelqu'un qui t'attend dans le coin à droite. Donc, le glitch est ici, en fait. Donc là, vous allez jeter votre drone. Alors, moi, je l'ai déjà placé, mais vous prenez votre drone ici, là. Vous allez le mettre là. Là, vous voyez qu'en frontal, hop, si vous accélérez un peu. Hop, vous pouvez placer votre drone. Là, voilà, il y a mon autre drone ici. Vous atterrissez sur le rebord. Attention, parce que là, c'est le vide, hein. Vous tombez. Donc, il faut bien faire attention que votre drone soit sur un bord. Et vous voyez qu'en le tournant légèrement, vous voyez s'il y a quelqu'un derrière le tonneau. Ce qui arrive plus souvent. Vous voyez s'ils ont ouvert le mur là-haut. Alors là, il est tombé. Voilà. Donc, mon autre drone. Vous voyez si le mur est ouvert ou pas. Vous voyez un petit bout du couloir. Et vous voyez même l'escalier là-bas. Mais vous voyez, il faut vraiment pas bouger parce que sinon votre drone il passe sous la map. Alors vous pouvez pas ping les ennemis une fois qu'il est dans le glitch, mais vous pouvez donner l'information. Normalement, voilà, si vous dites il est dans le coin à droite, je pense que celui qui passe ici s'est fait avoir un certain nombre de fois et tombera pas dans le panneau ce coup-ci là. Il pourra taper un petit pré-shot et gagner. Donc c'est un petit glitch. Bon, il est pas mal, mais il est vraiment pas du tout cheaté celui-là parce que vous pouvez rien faire avec, hein. Clairement, c'est impossible. Vous pouvez pas bouger, vous pouvez pas récupérer votre drone. Et ça marche avec les drones normaux, mais ça marche mieux avec le drone Twitch parce que tout simplement sa forme fait que quand vous avancez sur le grillage tout droit. Ça passe beaucoup mieux et vous atterrissez plus facilement sur le rebord parce qu'avec un drone normal entre guillemets vous allez bien plus souvent tomber dans le vide. Donc je vous conseille de prendre Twitch. Après c'est vrai qu'un drone Twitch ça reste quand même utile pour péter plein de choses, donc à la limite essayez d'aller objectif, péter des trucs, des mines, des machins, ramenez votre drone et ensuite faites le glitch, je sais pas. Mais en fait, c'est un glitch vraiment pas du tout cheaté parce que. Avec un drone Twitch ça sert à péter tous les trucs qu'il y a, les lésions, les machins. Et si vous l'utilisez simplement pour avoir une information pour que votre pote puisse rusher, bon, à la limite, si un mec derrière le truc, il tuera, ça sera pas perdu. Vous aurez pas perdu votre drone pour rien. Mais s'il y a personne et que ça lui a juste permis de rentrer ici, bah ça sera pas hyper utile quoi. Donc. Moi, ce que je vous conseille, c'est franchement essayer de le faire avec un drone normal. Mais après, ça marche mieux avec le drone Twitch, donc c'est vous qui voyez. Bon, c'est vrai que si vous tombez contre des entre guillemets bronze machin, vous pouvez peut-être vous le permettre parce que bon, voilà quoi. Vous savez que le niveau est pas ultra élevé en face. Hein. Je dis pas qu'ils sont nuls, mais c'est quand même beaucoup moins fort qu'un plat contre des platines ou des diamants. Puisque là, vous avez besoin de votre drone Twitch pour péter tout ce qu'ils vont poser. Hein, parce que là, c'est pas en joue pour s'amuser, là, c'est en joue pour gagner. Ça tryhard et il faut que vous tryhardez aussi.
Donc c'est un petit glitch. Bon, il est tout petit, pas très cheaté, mais je vous en présente un parce que je l'ai trouvé, mais après franchement personnellement moi je pense que je le ferai pas parce que y a aucun intérêt. Hein. C'est. Franchement je vois. Je vais pas bousiller mon drone Twitch juste pour avoir une information là-dedans. À la limite on pourrait le récupérer, oui, mais on peut pas donc. À la limite on pourrait peut-être avec un drone de base vu qu'il peut sauter. Le problème c'est que si vous tournez pour pouvoir ressauter dehors, je pense qu'il tombe dans le vide. Donc finalement, c'est pas extrêmement cheaté. Donc voilà, c'était un petit glitch assez sympathique. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos que j'ai fait, parce qu'il y a des glitches quand même bien mieux. Style traverser les murs, des petits spots pour Maestro. N'hésitez vraiment pas à aller voir ça, parce que ce sont des glitches quand même relativement mieux que celui-là, mais bon, j'ai trouvé celui-là, j'ai voulu vous le montrer, même s'il n'est pas exceptionnel.